tous. CY Cergy Paris Université est une université qui se donne pour ambition d'ouvrir à la culture, de préparer nos étudiants aux enjeux du futur, aux enjeux de transition. Alors transition écologique, transition sociétale aussi. Et on est vraiment heureux que nos étudiants, que nos personnels et les habitants du territoire qui ont déjà eu la chance de pouvoir voir cette exposition puissent se réapproprier cette exposition là maintenant sur le parvis de l'université. On est ravis de pouvoir l'accueillir en extérieur, en itinérance, puisque c'est une exposition, une structure qui a été pensée justement pour être visible de tous et avoir voilà, un plus grand nombre de publics divers pour la regarder et s'en emparer. Cette structure, c'est déjà en elle-même un questionnement, puisque c'est l'étoile du chaos, si on la regarde vue du dessus. Et donc l'étoile du chaos, il ne faut pas y voir forcément quelque chose de sombre, puisque le chaos, c'est aussi la renaissance, c'est la destruction, et puis l'espoir et le renouveau, la création du monde, etc. Aujourd'hui encore, pendant toute cette séance d'exposition, on va proposer aux étudiants des ateliers sur la surconsommation et ce qu'on appelle le fast mode, sur la représentation des femmes, parce que je pense que c'est un sujet quand même qui est très intéressant et qui est loin d'être abouti, et surtout avec les étudiants, et aussi avec le collectif de la Lanterne sur la biodiversité. Alors l'œuvre que j'ai particulièrement appréciée, c'est celle avec les livres. C'est vraiment, ça retrace tout ce qui est connaissance et le savoir, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et forcément celle avec les femmes, la place de la femme, parce que c'est un sujet important aussi dans la société.